Salut tout le monde, c'est Nana et aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode de notre let's play sur Neptunia Rebirth One. La dernière fois nous étions en train d'explorer cette magnifique cave avec des magnifiques ponts, des barrières et tout. Et il semblerait que l'on soit à la fin. Pas de coffre. Bon bah, c'est parti pour la suite! Hé, Aifi, j'ai ramassé ce truc, mais... On dirait un disque. Où est-ce que t'as ramassé ça? Attends, j'ai remarqué. Mais, Nep, c'est moi? Non. Tu m'appelles Aichan, alors pourquoi pas? Bon, va remettre le disque où est-ce que tu as trouvé. En fait, il était posé sur le mur là-bas. Posé sur le mur, ce disque. Une expression anglaise, qu'est-ce qu'il fout là? Bon, pour faire court, tu payes pas ma tête, à mon avis, un truc d'un genre. Quoi? Tu ne me crois pas? Après tout ce qu'on a traversé? Tu es trop horrible pour ne pas croire Nep Nep. Je sais que ton nom te fait poser des questions et tout, mais montre-moi un peu d'amour, quoi. Ce n'est pas ce que mon nom signifie. Puis en plus, on se connaît depuis seulement un court moment. Aifi. Ok, ok, je te crois. Ah, ça c'est ma fille. Aifi, ça veut dire... Aifi for you, j'ai des sentiments pour toi. C'est l'amour. Pourquoi pas t'appeler Hi à la place? C'est le mot japonais pour amour. Et pourquoi ne pas le dire plus doucement comme Hi, c'est aussi mignon, non? Hey, calmez-vous un peu, vous deux, hein. On est en train un peu de dériver, là. Ah ah, Aifi, tu es gêné, ouais. Tu es gêné ou est-ce que tu es gêné? C'est tout, c'est sérieux. Quoi? Attends, le disque, il brille. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu veux que je sache? J'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Un monstre! Il est sorti du disque! Ah, ils sont bien regroupés là. Et voilà. Et donc là, je pense qu'elles sont pas faibles, vous voyez. Une fois que la Exe Drive Jauge est à fond, ou au moins un, il me semble. En fait, ça dépend. Mais il y a des finish moves que vous pouvez utiliser, comme celui-là. Et là, je peux allègrement les toucher tous les deux sans aucune difficulté. Ah, le bonheur de cette épée. Bon, ça c'est ce que j'appelle expédier, hein. C'est une surprise. Ne me dis
dites pas que ces monstres sont sortis du disque. Quand tu veux que je sache. Personne ne sait d'où est-ce que les monstres viennent. Aifi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un chat a volé ta langue? Alors c'est de... On a trouvé l'origine des monstres. Yes! C'est une superbe découverte. Je suppose qu'il n'y a pas besoin de traduction. Je suis venu pour mon gardien, mais je ne m'attendais pas à te voir ici, Neptune. Qui est là? Qui est là? Qui est-ce qui a fait ce bon vieux mélodramatique rire? Qu'est-ce que t'appelles vieille? Tu te moques des gens comme toujours. Tu n'as pas changé. Est-ce que ce serait un de tes amis? Une de tes amies? Bien sûr que non. Je ne connais absolument aucune vieille femme qui porte autant de maquillage. C'est bon à entendre. J'étais en train de me questionner sur tes choix d'amis. Ça c'est clair, si vous étiez ami avec elle, j'aurais dû poser une résignation. Donc, vous êtes qui? Vous trois là, hein? Vous dites tout ce que vous voulez en face de moi. Je vais tout vous battre. Ah, regarde ce que tu as fait, regarde. Tu as rendu la madame en colère. Attends, c'est ma faute maintenant? Ça va? Oh, comment as-tu osé? Quelque chose me dit qu'on peut pas gagner ce combat. Pas vous? C'était un combat scénarisé. Elle est beaucoup trop forte pour un boss de début. C'est de la triche. Ah, les dommages qu'elle nous fait sont beaucoup trop énormes. On dirait qu'on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Vous êtes rien pour moi. Allez-y et pleurez comme les losers que vous êtes. Maintenant. Oh. La Key Fragment. Je vais la reprendre. Ah, injuste! On a dû traverser beaucoup de choses pour la voir. Rends-la! Silence! Nep nep! Maintenant, le temps est finalement venu. Je vais prendre tes pouvoirs, Neptune. Finalement, le premier pas pour mes ambitions a finalement commencé. Nep, nep, attention!
Nippo. Compa. Quoi? Compa, est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Des sous. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment osez-vous se mettre en... Ah oui! Comment osez-vous vous mettre sur ma... entre moi et Nep Nep? Dessous? Nep Nep? Bon, en fait, bon, d'accord, en anglais ils ont juste changé le nom de Neptune en Nep Nep, et en japonais ils ont fait en sorte qu'elle finisse toutes ses phrases par Dessous comme compa. Hey, arrête de courir partout! Elle parle comme compa. Nep! Elle essaye d'absorber tes pouvoirs. Tes pouvoirs. Pas de problème, je suis bon au shooter. J'ai juste à faire un barrel roll. Do a barrel roll. Ah, c'est la faute de cette fille. Nep, compa. Comme elle a pris les pouvoirs de compa, c'est notre chance. Ah, elle a compris. Hey. Oui, Raven. Bon. Ah, l'attaque. Je vais pas laisser cette chance s'en aller. À nous deux maintenant. Bon, elle fait toujours aussi mal par contre. Est-ce qu'on a un next drive? Non. On va faire pas la bonne vieille méthode. Il y a quand même pas mal de miss. Allez! Ah, je manquerai peut-être de niveau parce qu'il n'arrive pas à la toucher, il y a trop de vis. Ah, là, elle va commencer à prendre cher. Bon, ça finit par durer 3 heures là. Alors, on va. Un petit combo, le cross combination. On va tester. Ouh, ça fait mal quand même. Ça fait mal aussi pour nous, ça. Ah oui, j'ai mal. Allez. Je pense que une potion sera plus efficace. C'est quoi déjà? On utilise ça. Comme elle a pas de garde. Bon. Toujours mieux que rien. C'est quand même mal, hein. Il y en a encore pas mal de SP, puis en plus c'est un boss, donc on va y aller à fond. Ah d'accord, il y a beaucoup trop de miss comme d'hab. On va réessayer. J'espère que ça paraît assez fluide quand même au tournage, parce que moi ça lag quand même. Je crois que je suis dans une situation critique. Je sais plus j'ai combien de vies au max. On va prendre ça. Okay. Haifi, toi tu vas donner une petite potion à notre charnep.
Il faut briser sa garde. On y est presque. Allez. Allez, compa, tu vas la finir. C'était juste. Là, tu l'as dit, compa. Ouf. Petit level up. Je reprends ça. Neptune. Je dois quand même te demander, mais tu me connais, non? Bien sûr. Je te connais comme la paume de ma main. Alors tel... Alors dis-moi, qui suis-je? De quoi qu'est-ce que tu parles, Dizzy? Tiens, je ne sais plus ce que dire, Dizzy. Bon, bref. T'es pas bien? Non! Nep-Nep a perdu sa mémoire! Alors, si tu sais quoi que ce soit, dis-le nous! Toi, tu as perdu ta mémoire. C'est fantastique. J'étais plutôt inquiet lorsque j'ai perdu... lorsque je t'ai perdu. Mais il semblerait que la chance soit de mon côté. Je te laisse la clé fragment maintenant pour le moment. Jusqu'à la prochaine fois. Attends. Ah, elle est partie. Ah, elle a fui. Mais qui était-ce? Il semblerait qu'elle en avait après toi, Nep. Je ne sais pas. Ah, si seulement je pouvais parler avec Isti. Bon. Avant de penser à ce qui va arriver après, essayons de s'occuper de ça en premier. Tu parles du disque? Pour le moment. Bon, maintenant qu'on s'est occupé de tout ce qu'il y avait à faire ici, pourquoi ne pas aller se reposer? De retour sur la map! Alors. Qu'avons-nous? Tekking Lass. Il semblerait que Neptune ait perdu sa mémoire. C'était d'une utilité absolue. Oh, Manuel. Oh, alors ici... C'est un HDD. Bon, apparemment, pour créer des plans. Ok, d'accord, il nous a donné un disque dur pour avoir plus de mémoire. Un plan pour un nouveau donjon. Spelunker. Ah là, Spelunker, personnage élu personnage le plus faible de tous les personnages de jeux vidéo. Je suis à la recherche du donjon le plus dangereux au monde. Alors que le mec, il est capable de se casser une jambe en tombant de 3 pixels. Si ce n'est un. Bon, alors, il est 19. Bon, bah... Oh, là, il va être un peu court, mais bon. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Sur ce, je vous dis... à la semaine prochaine. C'était Nana.